Bienvenue à chacun d'entre nous. Nous arrivons en fin d'année et le Seigneur nous avait libéré une parole en début d'année. Il nous a donné la possibilité de prendre ce qui était à nous. Et il nous appartient d'aller récupérer ce qui est à nous, d'aller saisir ce qui est à nous. Le Seigneur nous a dit, saisis ta montagne. Je te distingue, saisis ta montagne. Et on a étudié en long et en large la vie de Caleb. Et on a vu comment est-ce que le Seigneur l'avait distingué pour qu'il puisse saisir sa montagne. Amen. Et dimanche dernier, l'apôtre Allen nous a encore parlé de cela. Il nous a encore plus détaillé. Et je crois que chacun, dans cette petite semaine qui reste, a encore la possibilité de saisir sa montagne. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais juste encourager quelqu'un dans cette semaine qui reste. Je voudrais encourager quelqu'un d'avoir la foi qui déplace les montagnes. Alléluia. La foi qui déplace les montagnes. En parcourant la Bible, on se rend compte que il y a plusieurs types de foi. Mais lorsque nous ne nous arrêtons pas sur la parole de Dieu, nous disons tout simplement « j'ai la foi ». Mais la Bible nous fait comprendre qu'il y a des fois qui sont faibles. Faibles dans la foi. Il y a des fois qui sont fortes. La Bible nous fait comprendre qu'il y a des fois qui sont petites. Et il y a des fois qui sont grandes. Alléluia. Plusieurs types de foi. Mais nous disons, j'ai la foi. Alors pour saisir ta montagne, tu dois avoir la foi. Mais la foi qui déplace les montagnes. Alléluia. Si tu débarques devant ta montagne avec une petite foi, elle ne partira pas. Avec une faible foi, elle ne partira pas. Avec une pauvre foi, elle ne partira pas. Il y a des fois qui sont riches. Alléluia. Quelle est ta foi? Si tu dois faire un check-up ce matin, un bilan de foi, quelle est ta foi ce matin? Quand tu dis j'ai la foi en Christ, ta foi en Christ est comment? Grande, petite, faible, forte, riche, pauvre, authentique, faussée? La Bible dit une foi sincère et authentique. Est-ce que ta foi en Christ est sincère et authentique? Si elle n'est pas sincère et authentique, tu ne pourras pas déplacer une montagne. Amen. Il reste encore une semaine. J'aime ce Dieu. Même à la dernière seconde, il agit. Fais un bilan de foi. Aujourd'hui, les gens ont peur de faire des bilans de santé. C'est vrai. Ça fait paniquer un bilan de santé aujourd'hui, avec tout ce qu'on mange. Va faire un bilan de santé. Les gens ont peur de découvrir des choses dans leur sang. Mais pour ta foi, tu dois faire un bilan de foi. Comment est ta foi ce matin? Est-ce que tu crois quand il fait beau ou tu crois aussi quand il ne fait pas beau? Est-ce que tu crois quand tu as de l'argent ou tu crois aussi quand tu n'as pas d'argent? Est-ce que tu crois que quand tout va bien ou tu crois aussi quand rien ne va? Alléluia. Comment est ta foi ce matin? Oprah, vous connaissez Oprah, l'américaine là. Lorsqu'elle a commencé, on lui a dit qu'elle n'était pas faite pour la télévision. Mais c'est une des femmes les plus puissantes de ce monde, dans le monde, hein. Et puis c'est une des femmes les plus puissantes de la télé. Mais quand elle a commencé, on lui a dit, toi tu n'es pas fait pour la télé. La télé c'est pas pour toi. Tu peux t'en aller. Alléluia. Mais elle a persévéré. Elle a eu foi dans son truc. Je sais pas quoi. Mais elle a eu foi dans ça. Et elle est allée jusqu'au bout. Et elle est devenue ce que la Oprah qu'on connaît aujourd'hui.
Tous les enfants aiment bien Disney, n'est-ce pas? Et il y a quelques parents aussi qui regardent des animés de Disney, là. Des animés Disney. Lui aussi, là, il foie dans son truc. Et vous savez, lui, quand il est parti chercher du travail, on lui a dit, toi, tu n'as pas d'idée. Et ensuite, on a précisé, tu es quelqu'un qui manque d'imagination. Mais est-ce que quand vous regardez Disney, là, il manque d'imagination? C'est tout un monde imaginaire. Il embarque les gens dans un monde imaginaire. Mais ceux qui n'avaient pas les yeux ouverts sur sa vie, ils lui ont dit, tu n'as pas d'imagination, tu n'as pas d'idée, tu ne peux pas travailler dans ce domaine, tu n'iras pas loin. Alléluia. Peut-être que toi aussi tu as entendu ce type de phrase. Depuis le début d'année, on dit saisis ta montagne, toi tu dis moi je ne peux pas. On m'a dit que les montagnes ne sont pas faites pour moi. Amen, amen. Disney a cru en son truc. Son truc a marché. Oprah a cru en son truc a marché. C'est lui qui a fait les... qui a inventé l'ampoule, là. Comment il s'appelle? Edison. Le gars, il a essayé au moins 1000 fois pour arriver à créer une ampoule. Et quand il parle de ça, il ne dit pas « j'ai échoué 1000 fois ». Il dit « j'ai eu 1000 possibilités ». Pour arriver à comprendre comment créer une ampoule. Il a cru en son truc. Et il est arrivé jusqu'au bout. Comment est ta foi? Quel est l'état de ta foi ce matin? En fin d'année, au moment où les choses peuvent basculer d'un moment à un autre, comment est ta foi? Quand tu entends parler des gilets jaunes, comment est ta foi? Alléluia. Quand tu entends parler des gilets jaunes, les salaires vont augmenter, vont baisser. Comment est ta foi? Est-ce que tu marches avec les gilets jaunes ou tu marches avec Christ? Est-ce que tu crois à BFM TV ou tu crois à la Bible? Alléluia. Il y a des chrétiens qui ont plus la foi en BFM qu'en la parole de Dieu. Ils l'ont dit sur BFM. Tu lui dis, oui, mais la Bible dit, non, 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 ils l'ont dit, c'est des experts de BFM. BFM, ils peuvent te dire la même chose du matin jusqu'au soir, et ils sont dans l'erreur. Mais ils te montrent même les images, mais ils sont complètement dans l'erreur. Amen. Et lorsque nous allons dans la Bible, on a vu aussi des gens comme ça. Élie, par exemple. Élie a échoué. Élie, il a bossé avec le Seigneur, il a fait des choses extraordinaires. Mais dès qu'on a menacé Élie, Élie a échoué. Élie, il a fui. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu l'a abandonné. David, le grand David. David a échoué combien de fois avec Dieu? David a échoué. Lisez la Bible. David a échoué combien de fois avec Dieu? Mais la force de David, la force d'Élie, c'était de croire en Dieu. Il ne croyait pas aux circonstances et au temps. Il ne croyait pas à ce que les hommes disaient ou leur montraient. Il restait attaché à Dieu. Il croyait en Dieu. L'erreur est humaine. La bêtise est humaine. Mais lorsque tu restes attaché à Dieu, Dieu passe derrière toi. Et il corrige. Alléluia. Quelqu'un croit que Dieu va lui faire du bien ce matin? Je voudrais qu'on parle de Samson. Pour moi, c'est le gars qui a vraiment échoué. Mais on va lire un peu. Juges 13. Je lis du verset 1er au verset 5. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans.
Il y avait un homme de Tzoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Amen. Juges 16, versets 21 et 22. Les Philistins le saisirent et lui crèvèrent les yeux et le firent descendre à Gaza. Et le lièrent avec les chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Cependant, le cheveu de sa tête recommençait à croître depuis qu'il avait été rasé. C'est ici l'histoire de Samson. Samson, sa naissance était prévue et tout était tracé. Mais lorsque Samson vient au monde et qu'il commence à manifester ce qui était à lui, ce qui était prévu, Samson se détourne de l'Éternel. Samson commence à aller d'échec en échec. Il commence à collectionner les échecs. Jusqu'à tel point que on va lui raser la tête et on va crever ses yeux. Et pour Samson, c'était terminé. Pour les Philistins, la vie de Samson était à terre. Pour les parents de Samson, leur fils était à terre. C'était terminé. Dieu avait dit, le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Mais le rasoir était passé sur la tête de Samson. Ce jour-là, Samson a essayé. Ça ne marchait plus. Samson a essayé de crier à l'Éternel. Mais l'Éternel ne répondait plus. Alléluia. C'était fini. C'est le même cas que Pierre. Pierre a cru en Jésus. Pierre a marché avec Jésus pendant 3 ans. Et puis à un moment donné, il voit Jésus sur la croix. Le Jésus sur qui il posait toute sa foi. Le Jésus en qui il croyait de tout son cœur. Il le voit cloué sur la croix. Il voit Jésus saigner, lui qui a arrêté le sang des autres. On ne sait pas s'il pleurait, mais il a crié, pourquoi m'as-tu abandonné? Certainement les larmes ont coulé. Il voit Jésus pleurer, lui qui séchait les larmes des autres. Il voit Jésus faible. Il voit Jésus abandonné par Dieu. Il crie, pourquoi m'as-tu abandonné? Pierre est en train de voir Jésus, la fin de Jésus. Pierre a dit, si ça lui arrive à lui, alors moi. Pierre abandonne. Pierre dit, Jésus a échoué. Donc moi aussi j'ai échoué. Pierre est reparti à son ancienne vie. Alléluia. Les échecs, on les collectionne sur le parcours. Et il y en aura encore devant. Samson, c'était l'homme le plus fort du coin. Samson se battait tout seul contre tout un peuple. Quand il arrivait, les autres reculaient. C'était le plus fort. Mais ce jour-là, on l'a coupé les cheveux. On l'a crevé les yeux. Il n'avait plus de force. Samson était abandonné. Peut-être que depuis janvier, tout ce qu'on dit ici, tu dis, moi, c'est la chose est finie déjà depuis. Je ne pourrai jamais sortir de là. Je t'invite ce matin à exercer la foi qui déplace les montagnes. Peut-être que depuis ta naissance, depuis que tu es en âge de comprendre, on t'a fait comprendre que toi, ta vie, c'est d'échec en échec. Toi, ta vie, c'est d'échec en échec. Tu ne réussiras jamais. Vous savez, on peut être fort en maths et mauvais en français. Donc, tu peux être fort dans un domaine quelconque et
t'en vais dans un autre domaine où on t'a maudit. Et tu sais que dans ce domaine-là, tu collectionnes les échecs. Alléluia. On peut être un bon père de famille, mais un mauvais gérant. On peut être un très bon gérant d'entreprise, un mauvais père de famille. On gère bien les hommes à l'extérieur, mais on gère mal les trois personnes qui sont chez nous. J'ai connu un homme qui avait 60 entreprises. Et nous, on venait de devenir sa 60e entreprise. Et un jour, j'ai discuté avec lui. Je lui dis, comment vous faites pour gérer autant d'entreprises? Il dit, j'ai fait 59 sociétés. Tout allait bien. Mais quand je suis arrivé chez vous, là, j'arrive pas à gérer. Je lui dis, pourquoi? Il dit, parce que je suis habitué à parler aux gens qui gèrent. Mais avec nous, il était en face des gens à gérer. Il avait 49 personnes, 49 individus. Chacun rentrait dans son bureau et lui disait, patron, voilà mon problème. Avec un tel, ça va pas. Avec tel chef, ça va pas. Lui, il avait l'habitude d'appeler juste le PDG. Et il disait au PDG, tu me vires 50 personnes. Et il connaît même pas leur nom. Mais quand il est arrivé dans notre société, là, 49 personnes. Et il s'avère qu'il était un mauvais manager. Un mauvais patron. Alléluia. Devant une grande foule, il était efficace parce qu'il ne voyait personne. Mais devant 49 personnes, il était mauvais. Parce que c'est ce qui était mauvais en lui apparaissait devant tout le monde. Tu peux être bon dans un domaine et mauvais dans un autre. Et dans le domaine où tu es mauvais, tu collectionnes les échecs. Tu collectionnes les problèmes. Mais ce matin, le Seigneur te dit, exerce la foi qui déplace les montagnes. Continue à croire. Continue à croire que c'est possible. David, vous savez, David, il a pris la femme d'autrui. Il est allé avec la femme d'autrui. Après, il a pris le autrui en question, il l'a tué. Il est allé de catastrophe en catastrophe. David savait que devant Dieu, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais David est resté au pied de l'Éternel. Et il disait, je crois en toi, je crois en ta miséricorde, je crois que tu es un Dieu qui pardonne, je crois que tu es un Dieu qui peut recommencer. David croyait encore en Dieu, malgré que c'était lui le fautif. La foi consiste en croire en Dieu, en ce qu'il est. Ce matin, exerce la foi qui déplace les montagnes. Samson, c'était maintenant la fête, en Juges 16. Tous les princes se sont rassemblés. Ils ont dit, aujourd'hui, on va arrêter sa vie. Ça va s'arrêter là. Il nous a fait assez de mal, ce Samson. Il a détruit nos champs, il a détruit nos soldats. Il nous a fait assez de mal. J'aimerais dire à quelqu'un, depuis que tu es devenu chrétien, tu as fait du mal à quelqu'un. Satan. Le jour où tu as reçu Jésus, quelque chose s'est passé dans son camp. La Bible dit que lorsqu'on accepte Christ, il nous transporte dans son royaume. Le jour où tu as reçu Jésus, où tu l'as accepté dans ton cœur, tu as quitté là où tu étais esclave de Satan. Satan avait peut-être besoin de toi pour détruire les jeunes femmes. Il avait peut-être besoin de toi pour détruire les couples, pour détruire les églises, pour détruire les foyers d'autrui. Peut-être c'est ça, c'est en ça que Satan t'utilisait. Mais le jour où tu l'as reçu, Dieu t'a déplacé. Maintenant, ton poste chez Satan est resté vacant. Donc, depuis ce jour-là, il t'en veut. Pharaon a dit à Moïse, tu peux prendre ton peuple, partez. Ils sont partis. Mais arrivés dans le désert, Pharaon et ses gens se sont rassemblés. Et ils ont dit à Pharaon, qui va faire tout ce boulot-là? Nous, on est quand même égyptiens.
On est mieux qu'eux. Qui va faire ça? Pharaon dit, emmenez-moi les chars, on va aller les récupérer. Depuis que tu as reçu Jésus, tu as créé un problème chez Satan. Et il t'en veut. Et il te poursuit. Et il ne te laissera jamais tranquille. Jusqu'à ce que Christ revienne. Alléluia. Alors lorsque tu as cette foi qui déplace les montagnes, tu n'as pas d'obstacle. Tu avances et les montagnes s'aplanissent au-devant de toi. Samson a cru que c'était fini. Les gens autour de Samson ont cru que c'était fini. Un jour, je vous ai raconté ici l'histoire de l'aigle. L'aigle est un animal qui peut vivre entre 70 et 80. Mais vers 30, 40 ans, l'aigle doit se renouveler, il doit être régénéré. Alors quand c'est comme ça, l'aigle s'isole. Il va trouver la montagne la plus haute. Et quand il arrive sur cette montagne la plus haute, il n'y a plus personne avec lui. Et vous savez, lorsque l'aigle arrive vers 30, 40 ans, son bec se courbe comme ça. Ça veut dire qu'il n'a plus la possibilité de pouvoir piquer les choses correctement. Donc il ne peut plus manger comme il se doit. Et lorsqu'il arrive à 30, 40 ans, ses griffes aussi sont... Il ne peut plus saisir les choses comme il les saisissait avant. Ses plumes sont faibles. Alors il monte sur la montagne la plus haute, là où il n'y a personne. Ça veut dire qu'en bas, tous ceux qui connaissaient cet aigle disent que lui, il est fini. Cet aigle est mort. Il va sur la montagne la plus haute et il s'isole. Et vous savez ce qu'il fait? Il prend son bec, il commence à arracher ses plumes. Il le fait tout seul. Il arrache ses plumes avec son bec. J'ai vu une vidéo, c'est... Maintenant, imaginez qu'il y a un autre, il y a un petit moineau qui passe à côté. Et il regarde l'aigle. Il dit, ah, le pauvre aigle, maintenant je peux le piquer. Alléluia. Mais l'aigle a pris soin d'aller très haut, là où le moineau n'arrive pas. Et il arrache ses plumes. Et une fois qu'il a fini d'arracher ses plumes, l'aigle prend ses griffes, commence à les taper contre le rocher jusqu'à les casser. Et quand il les casse, il prend son bec et il tire ce qui reste. Vous imaginez un peu l'image. Frère Michael, la prochaine fois, on fera une vidéo. Et quand il a fini avec les griffes, il prend son bec, il le cogne contre le rocher. Personne ne lui demande de faire ça. Mais lui sait ce qu'il fait. Parce qu'il a foi en Dieu. L'aigle croit en Dieu. L'aigle croit que les plumes qu'il a arrachées, il croit que les griffes qu'il a arrachées, il croit que le bec qu'il vient de casser vont repousser. Et il va attendre comme ça, il devient vulnérable. N'importe quoi peut le toucher. N'importe qui peut l'atteindre. Mais l'aigle attend. Attend quoi? Que Dieu fasse quelque chose. Est-ce que toi tu peux faire comme l'aigle ce matin? Dans cette semaine qui te reste, quand on a fini le jeûne, on a dit laisse Dieu faire. Maintenant laisse le faire. Attends, regarde ce que Dieu fait. L'aigle attend. Et ses plumes commencent à repousser. Son bec repousse. Ses griffes repoussent. Et après il secoue. Et il repart pour 40 ans. La Bible dit qu'on se confie en l'Éternel, nos forces sont renouvelées comme des aigles. Alléluia. Et foi en Dieu. Cette foi qui est capable de te mettre à nu devant Dieu. L'aigle se met nu devant Dieu et dit, Seigneur, j'attends maintenant que toi tu fasses. L'aigle n'a pas la capacité de faire pousser ses plumes. Il n'a pas la capacité de faire pousser son bec, ni ses griffes. Mais il s'attend à Dieu. Et ça repousse.
Et c'est le cas pour Samson. Samson a entendu du bruit. Il dit, est-ce que tu peux m'aider? Montre-moi la colonne, la pluie, la colonne qui tient. Et Samson tient la colonne. Et là, Samson dit, papa, mes cheveux ont un peu repoussé. J'ai plus les locks comme autrefois. J'ai plus les mèches comme autrefois. Mais j'ai un peu de cheveux sur ma tête. Je prie le Seigneur ce matin que quelqu'un à qui les cheveux commencent à repousser, quelqu'un qui a retrouvé l'espoir en cette année, je prie que ton espoir augmente. Que quelqu'un qui a retrouvé la foi cette année, je prie que ta foi se fortifie, que ta foi augmente. Que quelqu'un qui a retrouvé sa joie, sa paix, je prie que cette joie et cette paix se stabilisent. Que le peu là que tu as retrouvé, que le Seigneur puisse le faire grandir au nom de Jésus. Samson n'avait pas de mèches. La Bible dit que ses cheveux ont commencé à repousser. Comme moi, ça n'atteint pas des... J'arrive pas. Mais le peu là, Samson a touché, il a dit, Seigneur, c'est bon, je ne suis plus rasé. Il y a un peu de cheveux. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose avec ça? Le Seigneur Jésus va dire à ses disciples, si seulement votre foi était comme un grain de sénévé, si seulement ta foi est comme des petits cheveux de Samson, tout devient possible. Samson n'a pas attendu d'avoir de longs cheveux sur la tête. N'attends pas que ta joie devienne débordante, je ne sais comment. Cette foi que Dieu a réactivée en toi, commence à la manifester. N'attends pas de vivre avant de croire. Ce que tu as cru là, commence à vivre. Alléluia. Samson a dit, papa, encore une fois, permets-moi. Il dit, permets-moi. Maintenant, je reprends un peu mon verset là, Juge 13. Parce que la prière de Samson, c'est la prière de quelqu'un qui a échoué. C'est la prière de quelqu'un qui est dans l'amertume. C'est la prière de quelqu'un qui dit, bon, c'est fini de toute façon, encore une fois, et puis je m'en vais. Mais voilà ce que dit Juge 13, au verset 5. Car tu vas devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Samson croyait avoir échoué. Mais la Bible dit que ce jour-là, il en a tué plus qu'il n'avait jamais tué au cours de sa vie. En fait, ce jour-là, Samson venait d'accomplir ce pourquoi Dieu l'avait donné cette force. Tout le temps qu'il a vécu auparavant, ce n'était pas encore ça. Et le temps qu'il a vécu auparavant, Dieu l'a permis. Ce n'est pas que Dieu a mis ça devant lui, non, Dieu a permis. Dieu regarde le tas de cœurs des gens et il permet beaucoup de choses. Dieu a permis pour que Salomon comprenne la valeur de ce qui était en lui. Un jour, Dieu va visiter un homme, comme nous. Il lui dit, tu vois la montagne qui est là? Pousse-la. Nous, on nous a dit, saisis ta montagne. Mais à cet homme, Dieu lui dit, tu vois la montagne qui est là? Pousse cette montagne. L'homme se réveille le matin et il comprend bien que c'est Dieu. Chaque matin, il se lève. Il va vers la montagne. Et il pousse la montagne, mais la montagne ne bouge pas. Mais puisque c'est Dieu qui lui a dit, il a dit, je crois en Dieu. J'ai foi en l'Éternel. L'Éternel m'a dit de pousser cette montagne, donc je suis capable. Il disait, je suis capable de pousser la montagne. Et il y allait tous les matins pousser la montagne. Ça a duré des années. Et un jour, Satan, dans sa méchanceté, vient voir l'homme et lui dit, ton Dieu, il est méchant.
Comment il peut te demander de pousser cette montagne alors que tu n'as aucune force? Et en plus, il ne t'aide pas. Ça fait des années que tu pousses cette montagne et il ne vient jamais. Laisse-le. Tu n'as jamais entendu cette voix? Sanctification, sanctification. Tous les jours, il prêche sanctification, sanctification. Toi, tu vas à l'école, toi, pasteur? Maîtrise, maîtrise, maîtrise. Toi, tu sais quand tu es poussé à bout, comment faire? Et Satan, il vient, il chuchote dans l'oreille. Laisse tomber, tu n'arriveras jamais. Abandonne. Tu vas à l'école, tu échoues tout le temps. Abandonne. Tu as essayé plusieurs hommes, ils t'ont abandonné. Laisse tomber. Reste célibataire à vie et puis joue avec les hommes. La femme, là, elle t'a trompé avec ton meilleur ami, mais laisse-la. Maintenant, tu joues avec les femmes. Ça, c'est Satan. Il chuchote. Il te dit, mais Dieu ne fait rien pour toi. Tu as toujours été honnête dans ta société. Maintenant, on t'a placé là où il y a l'argent, toi aussi. Il n'y a personne. Prends ça. Il vient, il parle dans l'oreille comme ça. Il te chuchote des mots. Lui, là, il t'embête tout le temps depuis des années. Chrétien, tu résistes. De toute façon, là, il n'y a personne. Frappe-le! Alléluia. Satan, il vient, il parle comme ça. Il dit, t'as trop subi. Maintenant, venge-toi. Je vous parle souvent ici des Facebook, des Twitter, de tous les terteurs là. Un jour, Dieu vous connaît. Hein. Tous les clics là, Dieu les connaît. Tous les clics. Il n'y a pas meilleur comptable des clics que Dieu. Google, c'est zéro. YouTube, là, c'est zéro. Dieu comptabilise chaque clic. Tu cliques, tu dis. Satan vient et dit, mais clique seulement, personne ne te voit. Clac, tu cliques. Dernièrement, on écoutait un chant là, où le chanteur parlait du deuxième regard. Deuxième regard, tu es là, il y a une pub qui passe. Il n'y a personne, tu dis. Tac, tu remets la pub, toi-même, tu sais. Ça, c'est Satan. Il dit, mais de toute façon, personne ne voit. Vas-y. Et cet homme, un matin, il s'est levé, il a dit, j'en ai marre. Dieu, j'en ai marre de ton truc, là. Tu m'as dit de pousser la montagne. Je pousse la montagne. Elle ne bouge pas d'un iota. Je pousse la montagne, et tu viens jamais. Tu ne suscites même pas un voisin pour m'aider. Il y a des galères comme ça où on a l'impression que le monde... En fait, on est seul au monde. Et à ce moment-là, on dit, mais est-ce que Dieu existe ou Dieu n'existe pas? Alléluia. Tu vas sur ton compte. En plus, là, c'est les périodes des fêtes. Tu rentres sur ton compte, tu cliques un peu, tu dis, peut-être il va y avoir un miracle. Tu arrives comme ça, il y a écrit 0,01 centime. Et là, tu dis, ça fait 10 ans que je prie. Et là, tu as une opportunité d'avoir de l'argent facile. Tu dis, Seigneur, ça fait 10 ans que je pousse cette montagne de pauvreté, elle ne se déplace jamais. Là, j'ai la possibilité de vivre un bon Noël. Je vais me repentir après. Ça, c'est la voix de Satan. Là, je pars en vacances. De toute façon, l'église est à Montargis. Moi, je vais du côté de Marseille. Tout en bas là-bas, il n'y a personne. Dans les boîtes des nuits, personne ne va me reconnaître. Et quand je vais revenir, pendant la première semaine de janvier, on va avoir un temps de jeûne et prière. Je vais me prosterner, Dieu va me pardonner. Satan. Le gars, il a poussé la montagne, il ne bouge pas. Il dit, Dieu, j'en ai marre. Et là, il entend la voix du Seigneur lui dire, mais mon fils, je t'ai demandé de pousser la montagne, mais je ne t'ai pas demandé de déplacer la montagne. Parce que je savais que tu n'en avais pas la force. Ah! Il faut bien entendre la voix de Dieu. Je t'ai demandé de pousser la montagne, mais je ne t'ai pas demandé de déplacer la montagne. La montagne, elle se déplace comment? Ah, on l'a appris depuis le début d'année. C'est ni par force, ni par puissance. C'est que par lui-même. Il n'y a que lui qui déplace les montagnes. Il dit, je ne t'ai jamais demandé de déplacer la montagne. Je t'ai demandé de pousser la montagne. Il dit, mais pourquoi tu me demandes de pousser une montagne qui ne se déplace pas? Dieu lui dit, j'étais en train de muscler tes jambes
Pourquoi tu me demandes de pousser une montagne qui ne se déplace pas? Je musclais tes bras. Pourquoi tu me demandes de pousser une montagne qui ne se déplace pas? Je muscle ton mental. Il le faisait tout seul. C'est quelqu'un qui a commencé, il a musclé sa foi en Dieu. Il a stabilisé sa foi en Dieu. Il a fait grandir sa foi en Dieu. Tous les matins, il allait pousser sa montagne. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu t'a dit de pousser la montagne ou de déplacer la montagne? Le problème, c'est que nous voulons déplacer les montagnes de Dieu. Jésus a dit, si seulement vous aviez la foi. Donc, si seulement vous croyez en moi. Si seulement vous me laissiez la possibilité d'agir. Alors, cette montagne peut être déplacée. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Si tu crois en moi, je peux déplacer ta montagne. C'est lui qui consomme notre foi. Alléluia. Notre problème, c'est que nous voulons déplacer les choses que Dieu ne nous a pas demandées. Il y a des montagnes, on l'a vu. Dieu dit à Israël, tu vois cette montagne-là, tu la touches pas. Les fils d'Amon, tu ne les touches pas. Tu vas traverser cette montagne et tu vas payer ce que tu vas manger, ce que tu vas boire. Tu vas payer. Mais Moïse aurait pu se dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Tu as saccagé l'Égypte là-bas et eux, là, c'est une petite montagne. Dieu a dit, celle-là, je m'en occupe. Toi, tu passes. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? En quoi tu crois? Ou en qui tu crois? Comment tu crois? Comment est ta foi ce matin? On a des fois qui sont mal placées. On a la foi collective. J'ai expliqué ici. Foi collective. Ta foi fonctionne que quand on est ensemble. Quand on n'est plus ensemble, tu n'as plus la foi. La foi familiale. Nous, dans notre famille, nous croyons que. La foi sentimentale. Tu crois, mais en fait, ça s'arrête au niveau des émotions et des sentiments. Une fois qu'il pleut, tu crois plus. Puisque le temps est devenu maussade, donc tu es devenu triste, tes émotions ont changé, tu crois plus. Comment est ta foi ce matin? Le Seigneur veut que tu aies cette foi qui déplace les montagnes. C'est-à-dire, tu lui laisses la possibilité de déplacer tes montagnes. Tu lui laisses la possibilité d'aplanir tes montagnes. Toi, crois seulement. Il dit, crois seulement. Je demande à quelqu'un ce matin de croire. De croire qu'avec Dieu, c'est possible. Même à la dernière seconde, c'est possible. Je bénis le Seigneur pour l'histoire d'Eliezer. On a vu Eliezer, non? Eliezer a attendu jusqu'au dernier chameau. Il dit, même à la dernière seconde, Dieu va faire quelque chose. Crois, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas, ne dis pas Dieu fait seulement chez les autres, et ce n'est pas vrai. Il est mort pour toi, de même qu'il est mort pour moi. Nous avons les mêmes bénéfices, tout dépend de l'état de ta foi. La femme a la perte de sang, elle regarde Jésus, elle dit moi je crois. Que si je touche, je suis guéri. Elle n'a pas discuté avec Jésus. Elle a cru. Elle a tout simplement cru. Je crois que si je touche, je suis guéri. Comment est ta foi ce matin? Je crois que si j'arrive ce matin à l'église, si je mets seulement mes pieds à l'église, quelque chose... Crois! Crois! Je crois que si j'entends la parole de Dieu aujourd'hui, Dieu va me consoler. Crois. Alléluia. L'onction de Dieu est comme un médicament. Crois et laisse entrer le médicament en toi. Nous croyons tous au Doliprane. Tous. On a la foi en Doliprane. Maux de tête, Doliprane.
Moi-même, je crois que le Doliprane, il ne fait plus rien chez moi. Parce qu'avant, je prenais des cachets comme ça, même quand je n'en avais pas besoin. Tellement j'avais la foi en Doliprane. Ce matin, Dieu veut que tu aies la foi en lui. Crois. Et tu vas voir que ta montagne, là, elle va se déplacer. Alléluia. Crois. Tu vas croire que le manteau que tu portes depuis des années, Dieu va le déchirer. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons prier le Seigneur. Alléluia.